Les tracteurs anciens que vous avez derrière vous sont à peu près de l'ordre d'une cinquantaine de matériels. La plupart sont originaires de la région. Il y en a différents collectionneurs. Ce sont des partenaires qui jouent le jeu du Salon de l'herbe depuis 2005 pour un bon nombre. Ils sont présents avec nous très régulièrement. Ce sont des connaissances qui sont devenues des amis. Ils nous demandent avec impatience quand est-ce qu'a lieu le Salon de l'herbe, comment ça va se passer. Donc ce sont des gens qui apprécient de venir, parce qu'ils savent que c'est une fête qui est satisfaisante, heureuse, conviviale surtout. Et c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément. Donc certains d'entre eux sont venus juste d'à côté pour ramener les tracteurs. D'autres ont fait de longs kilomètres pour nous rejoindre. Certains des départements limitrophes, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle. D'autres encore sont venus par la route il y a quelques jours pour installer progressivement tous ces tracteurs et les machines sur la parcelle. Nous souhaitions mettre en avant différentes pratiques un peu plus innovantes. D'une part, au niveau de la fenaison à la main, nous avons fait appel à quelques personnes qui savent très bien faucher pour montrer que la fauche n'est plus une technique complètement rétrograde, puisque ce sont des personnes qui sont aussi capables de faucher, notamment dans des concours. Donc ce sont des gens qui le font très régulièrement. Concernant les chevaux, nous avons sollicité d'autres personnes qui pratiquent l'utilisation des chevaux dans le cadre d'un programme international avec le CFA de Mirecourt, avec d'autres personnes au niveau de la Belgique. Et là, ce sont en fait des personnes qui sont originaires du Luxembourg qui vont travailler avec nous. Ces personnes ont pu apporter un matériel complètement atypique avec ce qu'on appelle des avant-trains. Ces avant-trains sont donc composés d'une partie motorisée avec un moteur essence et également une prise de force sur laquelle on peut adapter n'importe quel outil, que ce soit une faucheuse ou une presse. Ce sont donc des matériels complètement rares, qui sont très peu distribués en France, malheureusement. On espère que par cette démonstration que l'on fait donc aujourd'hui, ces matériels seront un peu plus connus des nombreux visiteurs qui ont pu y assister.